Rendez-vous, hein, c'est pas dans le stade de Sylvio Cator Libralié, c'est plutôt nous capables de dire à Madrid, en Espagne, dans le stade Bellabérouan, côté que nous capables de dire équipe lyonnaise là pral gain pour jouer face à équipe Barcelone féminine dans sa guignare à grande finale. Ligue des Champions, samedi 25 mai, capable venir là à midi PM, côté que deux équipes de football ça yo pral gagner pour croiser dans sa guignare à la finale Ligue des Champions. Équipe Barcelone féminine, nous connaissons qui était joué dans la qualification difficilement devant l'équipe Chelsea. A rappeler que dans le match aller à Barcelone, tu es tombé devant l'équipe Chelsea. C'est dans le match retour là que Barcelone lui-même lui rachète la qualification pour la grande finale. En deux matchs qui étaient joués, nous capables de dire pour l'équipe lyonnaise là, face à Classico, nous capables de dire Classico française, côté que l'équipe lyonnaise là a joué face à l'équipe PSG. Hein? PSG n'a pas parlé d'équipe féminine française là. Eh bien, deux matchs qui étaient arrivés joués, deux victoires, nous capables de dire, qui étaient réalisées par l'équipe et lyonnaise là, et qui après le mettre l'équipe lyonnaise là en finale. Pour que ça nous parle de finale Ligue des Champions. Si nous parlons de finale Ligue des Champions, c'est parce que nous-mêmes haïtiens, nous avons intérêt nous, pour finale ça année 2024 là. Année 2024 ça, haïtiens gain en pile intérêt pour yo garder finale Ligue des Champions. Raison par l'autre, c'est parce que nous gagnons superstar haïtienne noire qui c'est Melchi Dumorné qui lui-même va jouer grande finale ça pour équipe lyonnaise là en Ligue des Champions. Et c'est pour la première fois nous capable dire que nous pral gagner un haïtien qui pral faire finale en Ligue des Champions. Et c'est pas l'autre, c'est joueuse noir, c'est joueuse en sélection nationale noir, c'est Melchi Dumorné. Melchi Dumorné pour aller faire finale Ligue des Champions. Yon Melchi qui est à l'âge li 20 ans d'âge, joué deux Coupes du Monde, yon na catégorie U15 et deuxième nan li pour aller jouer na catégorie senior. Et Melchi Dumorné, on dit que la première Coupe du Monde là, c'était dans la catégorie U20 et à sélection féminine là, et deuxième là, il pourrait le faire dans la catégorie senior. Yo Melchi Dumorné, nous capable dire qu'il soit une meilleure joueuse de la CONCACAF pour la sélection nationale féminine. Et Yo Melchi Dumorné qui est en train de plusieurs titres individuels, nous avons dit pour l'âge li depuis qu'elle a joué pour sélection à club. En deux matchs en demi-finale en Ligue des Champions, Melchi sorti meilleure joueuse et meilleure joueuse de la semaine pour Europa League. Et li prend MVP pendant deux fois. On a parlé de trophée MVP et un trophée nous capable dit qui vraiment important nous capable dit dans football international là. Et c'est comme ça Melchi lui-même en demi-finale Ligue des Champions, il prend là pendant deux fois. Melchi Dumorné démarré saison très maigre puisque Melchi t'a pral blessé et blessure ça t'a pral faire Melchi rater plusieurs matchs à l'équipe lyonnaise là et plusieurs matchs tout en Ligue des Champions. Pour seulement Ligue des Champions, Melchi Dumorné joue seulement 4 matchs, il fait 2 goals. Et
dans l'ensemble, nous capables dit pour saison ça, Melchi joué 13 matchs, li marqué 6 goals et c'est comme ça saison lui-même lié pour Melchi, nous capables dit dans football international là avec un premier grande expérience ça qu'il a fait avec l'équipe lyonnaise là. Et deux titres importants nous capables dit remporter pour saison 2023-2024 ça pour équipe lyonnaise, on a parlé de Melchi Dumonet qui s'est trouvé des champions à la finale playoff, côté que Melchi Dumonet remporté deux trophées ça, c'est face à équipe et PSG féminine que l'irrivé remporté, nous capable dit deux trophées ça. Maintenant samedi qui pourra 25 ans mais c'est pral un jour spécial nous capable dire pour football haïtien, pour tout haïtien en général, quel que soit haïtien qui à l'étranger ou en Haïti, li pral gagner un gros rendez-vous devant petit écran télévision pour la regarder nous capable dire superstar noir qui c'est Melchi Dumonet. Melchi Dumonet pral fait finale face à équipe FC Barcelone féminine. Est-ce que il y a possibilité pour Melchi ta ballon d'or pour saison 2023-2024 là si seulement si équipe lyonnaise lui-même t'arrive remporter nous capable dire Ligue des Champions. Avant d'aller regarder parti ça, on a regardé ensemble avec moi finale qui fait par deux équipes de football ça. On dit que depuis 2016 à 2024 deux équipes ça c'est eux même nous capable dit qui gagnent monopole football international là dans main. 2021 Barcelone t'est rencontré avec équipe lyonnaise là. En finale, c'est équipe lyonnaise qui t'a pral remporté face à équipe Barcelone. En 2022, Barcelone t'a pral croisé une autre fois encore en finale. C'est équipe lyonnaise qui t'a pral remporté. En 2023, nous c'est Barcelone qui s'est sauté remporté là. Ça veut dire depuis 2016 à 2024, si ce n'est pas Lyon qui en finale, c'est l'équipe FC Barcelone qui en finale. Ça veut dire deux équipes, ça, c'est deux équipes nous capables dire qui croisent très souvent en finale, mais c'est l'équipe lyonnaise qui toujours remporte devant l'équipe FC Barcelone. Est-ce que ça pourra le faire? Ça va le répéter encore pour l'année 2024 là. En tout cas, nous pourrons le garder ensemble avec moi. Grande finale ça, qui est-ce qui pourra le remporter? Mais ça qui est important, nous capables de dire, pour saison ça, pour toutes les équipes ça, c'est toutes les équipes, nous capables de dire, qui a bien marché pour saison 2023-2024 là. Équipe FC Barcelone, les ont remporté titre National League pour année ça, dans ce qui y a avec Liga Football Féminine. Et pour faire finale face à l'équipe lyonnaise qui déjà prend deux titres, donc on va dire, pendant la saison 2023-2024. Et l'équipe lyonnaise risque tout remporter, nous avons dit, saison 2023-2024 là, on a parlé de Ligue 1 française là. Il y aura seulement Coupe de France là. C'est titre ça seulement nous capable dire il y aura été là pour saison. Maintenant, tant qu'on te dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une possibilité pour Melchi ta ballon d'or? Même le équipe lyonnaise dans ta remporté nous capable dire finale Ligue des Champions li paraît
extrêmement difficile pour Melchita Ballon d'Or tant que Jean ça a dit et sur réseaux sociaux. On a regardé ensemble avec moi pour quelle raison que fait me dit ça. Melchita gagne droit dans trois meilleurs qui pral sous panel pour Ballon d'Or là. Mais Ballon d'Or de saison 2023 li pa paraît facile pour Melchi. Raison c'est pas l'autre Melchi jouait trois petits matchs et nous capable dire pour saison ça à équipe lyonnaise là. Il y a des critères que yo mandé pour Ballon d'Or. D'ailleurs, former buteur, meilleur passeur et fort ou prend titre pour saison. Et concernant des titres et trophées individuels, Melchi passé. Oui, Melchi passé. Et puisque deux finales que l'équipe lyonnaise dans lui-même l'a fait, Melchi a joué deux matchs. Et Melchi marqué là-dedans, il a passé. Et il sorti meilleure joueuse dans deux matchs importants. Maintenant, combien de goals que Melchi lui-même l'a gagné? Quand c'était goal Melchi, il n'a pas répondu. Combien de passes que Melchi a gagné? Quand tu te passes Melchi en tout, il n'y a pas répondre. Maintenant, Kounia, l'autre désavantage, nous sommes capables de dire Melchi encore, pour gagner les Jeux Olympiques. Dans les Jeux Olympiques, pour gagner l'Espagne, l'Angleterre, pour Stéréo qui pourrait participer dans les Jeux Olympiques. Et Haïti pour participer là-dedans. Et bien joueuse nous capable de dire dans l'équipe FC Barcelone qui en lice tout pour ta Ballon d'Or. Lo imagino après au fin fait finale Ligue des Champions, yo pral continuer jouer. Yo pral jouer championnat qui important qui c'est Jeux Olympiques. Qui avenir Melchi après championnat ça pour saison 1, c'est seulement des matchs amicaux que Melchi va jouer avec sélection nationale féminine. C'est une raison nous dit que il est capable paraître impossible et très impossible. Maintenant on a regardé finale là. C'est une considération toujours pendant que nous ouais il est capable impossible mais il y a considération. On a dit que Melchi bail équipe lyonnaise dans titre il a marqué au moins deux goals, fait passe décisive nous capable dire dans match en football ça et deux goals importants nous capable dire que Melchi marqué dans match pour finale là. Là, gagne discussion nous capable dire qui capable fait sous do Melchi là. Et gagne gros discussion qui capable fait pour Ballon d'Or ça. Important c'est qui ça Melchi pour elle bail en finale Ligue des Champions pour capable permettre que Melchi lui-même c'est une joueuse qui répondre pour Ballon d'Or là. Parce que si Lyon champion Melchi pas marqué même les que Melchi t'est sorti meilleur joueuse pendant deux matchs importants pour équipe lyonnaise là en demi-finale et pourquoi pas prendre ça yo et puis pour dire que Melchi Ballon d'Or c'est finale là. Jean Melchi lui-même jouer finale là. Et c'est ça qui est capable de mettre Melchi et nous capable de dire dans porte Ballon d'Or
saison 2023-2024 là. Mes chiffres, on demande à tout haïtien. Mais je demande à tout haïtien qui a moyen fait déplacement pour aller supporter à drapeau bleu rouge là dans stade. Dans stade là pour venir supporter dans finale ça. Et Melchie dit li gen en pile et en pile surprise pour finale ça pour peuple haïtien et pour peuple français là. Maintenant comment motivation yo dans dernier moment ça yo pour ambassade ambassadeur haïtien qui représente Haïti en Espagne. Comment planification est pour être capable de mettre une équipe sous pied pour faire déplacement pour aller supporter Melchi? Comment ambassadeur haïtien haïtien qui représente Haïti en France, qui planification qu'a fait pour faire déplacement pour supporter Melchi dans pays Espagne pour grande finale ça? Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'équipe lyonnaise là de remporter nous capable de finale ça? Gagner gros possibilité les nous garder palmarès toutes deux équipes ça yo n'a parlé de Paris et équipe lyonnaise là avec équipe Barcelone. En tout cas finale là c'est pour samedi 25. Samedi 25 à midi PM, Lyon face à Barcelone. Rendez-vous à Daniel Sport Plus depuis 11h du matin. Nous pourrons chauffer le réseau pour nous permettre que tout haïtien motivé pour finale ça. On love, take up.